Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un problème personnel que j'ai réussi à surmonter grâce à l'action conjuguée des médecins qui m'ont suivi avec beaucoup d'efficacité, de conscience professionnelle, mais également grâce aux traitements complémentaires que j'ai mis au point pour moi-même et que on m'a demandé de mettre à la disposition de toutes et de tous, ce que je fais avec grand plaisir aujourd'hui. Je ne veux pas généraliser mon cas, simplement je le donne comme exemple de ce qu'il est possible de faire dans des situations où parfois il n'y a pas de solution. Donc en fait, il faut à chaque fois essayer de trouver des solutions qui vous conviennent. Alors je vais vous expliquer comment moi j'ai trouvé mes solutions. Et après, si vous êtes concerné par ce problème, essayez de faire comme moi. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Et certains la connaissent déjà parce que j'ai déjà fait des petites vidéos pour expliquer qu'on pouvait soi-même faire son prédiagnostic de cancer. Donc, il fallait, dès qu'on avait un problème anormal qu'il fallait consulter, il ne fallait pas faire l'autruche. Hein. Et puis après, comment on pouvait s'en sortir. Bref. Il y a 12 ans, en 2010 précisément, je n'avais pas encore l'âge de retraite, j'étais dans ma 65e année. Un matin, en me rasant, je trouve une grosseur sous le menton. Donc, j'étais praticien, et je le suis toujours, praticien, ancien kinésithérapeute, ostéopathe et posturologue, versé dans la naturopathie et spécialisé dans la phytoaromathérapie que j'ai enseigné pendant quelques années à Paris. J'étais en exercice, mais je n'envisageais pas de prendre ma retraite tout de suite parce que je me sentais vraiment en pleine forme. Oui, c'est là la traîtrise de cet avenir. Je me sentais en pleine forme. J'avais fait faire des examens de laboratoire comme je fais chaque année. Tous mes paramètres étaient parfaits. Poids normal, excellent rapport poids-taille, donc j'étais parfaitement dans la norme. Sur le plan des valeurs biologiques sanguines, tout était impeccable. Glycémie, cholestérol, pas d'inflammation, pas d'infection, rien, thyroïde parfaite, enfin, tout allait pour le mieux. Mais cette petite boule m'inquiétait parce qu'en tant qu'ostéopathe, j'ai l'habitude de palper des choses extrêmement fines. J'avais donc l'habitude, en tant qu'ostéopathe, de palper des mobilités, des restrictions de mobilité, c'est-à-dire au niveau de lésions, au niveau des vertèbres, au niveau de la tête, au niveau des organes. Et là, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y avait un manque de mobilité évident. Donc ça ne pouvait pas être un problème dentaire, un ganglion lymphatique. Suite à un problème dentaire, je n'avais pas de problème dentaire. Je n'avais pas de problème de gorge, donc je n'avais strictement rien, pas de problème de langue, rien, rien de rien. Mais ça m'inquiétait. Pourquoi ça m'inquiétait? Parce que mon père est mort d'un cancer à 63 ans, cancer développé insidieusement, donc il avait simplement eu des saignements hémorroïdaires et son médecin, à l'époque sans doute très négligent, n'avait pas fait d'examen complémentaire et l'avait traité pour des hémorroïdes, alors qu'en fait, il s'agissait d'un cancer de l'intestin hein, qui évoluait et les hémorroïdes, en fait, cachaient le problème de cancer. Donc, il n'a pas eu d'examen de dépistage et lorsqu'on s'est aperçu qu'il avait un cancer, bien, 3 mois après, il est décédé parce que le cancer était déjà évolué et métastasé. Donc, dans ma tête, si vous voulez, hein, ça a été un traumatisme à l'époque, bien sûr. Et ce stress post-traumatique dû à cette mort brutale, alors que j'étais déjà kinésithérapeute, donc ça m'a vraiment fait vaciller au niveau de mes croyances dans la valeur de la médecine, dans la valeur diagnostique et thérapeutique de la médecine. Et donc, quand j'ai eu cette petite boule, je me suis dit, oulala, mon père est mort d'un cancer à 63 ans, est-ce que ça ne serait pas un signe avant-coureur d'un cancer hein, vous voyez, le stress post-traumatique, vous voyez, il n'y a pas que du négatif. Hein. Donc, tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a examiné, qui a fait
un bilan complet. Je suis allé voir un deuxième médecin, indépendant que je ne connaissais pas, qui était réputé comme un excellent clinicien, qui m'a examiné de partout. Il m'a dit, écoutez, moi je ne trouve rien, pour moi c'est un ganglion, vous avez dû avoir un problème dentaire qui est maintenant disparu, un problème de gorge, donc c'est un reste. Et donc, bon, il n'y a rien à signaler. Tout cela, bon, me rassurait, mais sans vraiment me rassurer, parce que le problème était toujours là et c'était toujours bien accroché. Ça ne grossissait pas, mais ça ne régressait pas non plus, c'était plutôt stagnant. Et comme au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était toujours là, je demande à mon médecin de m'envoyer faire passer une échographie. C'est vraiment la base de la base. Donc, mon médecin m'envoie passer une échographie. L'échographiste me dit très franchement, écoutez, monsieur, ce que vous avez là, c'est pas clair. Ce n'est pas un ganglion lymphatique classique, c'est trop gros, le contour n'est pas bien net. Et là, vous voyez, c'est un autre signe. Quand les contours ne sont pas nets, c'est de mauvais pronostic. Et donc, je vous conseille de faire une biopsie et d'aller voir ce que c'est. Je demande les coordonnées d'un chirurgien spécialisé en ORL, spécialisé en cancérologie si possible, hein, puisque s'il y avait quelque chose, c'était ça. Et donc, je vais voir un chirurgien, un excellent chirurgien de ma région, qui m'examine, me dit, écoutez, bon, on va faire une biopsie, hein, ça paraît pas inquiétant, mais on va faire une biopsie, on ne sait jamais. Je prends rendez-vous 15 jours après, donc j'arrive à la clinique le soir, et le lendemain matin, le chirurgien passe, avant de passer sur la table d'opération, me palpe, il me dit, écoutez, je vous palpe bien, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, ça régresse, et si vous êtes sûr, vous voulez que je fasse la biopsie. J'ai douté. Mon père est mort à 63 ans d'un cancer, je ne voudrais pas me priver d'une chance de guérir si ça peut être pris en charge maintenant, sans perdre de temps. Il me dit, d'accord, je pars à la salle d'opération, je passe par la salle de réveil, en fin de matinée, et j'attends jusqu'à 5 heures. Donc de début de matinée, voyez, 7h30 jusqu'à 5 heures, le temps m'a paru long, mais j'étais déjà, dans ma tête, j'étais préparé à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. S'il n'y avait rien eu, je pense que tout de suite, on m'aurait dit, écoutez, tout va bien, il n'y a rien de spécial, etc. À 5 heures, le chirurgien entre dans ma chambre, c'était une chambre à deux lits, il s'assoit sur le lit d'à côté, il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, vous avez un carcinome épidermoïde basilingual qu'il faut opérer d'urgence, car il est très invasif, et donc ce sont des cellules agressives. Autrement dit, si on fait les choses tout de suite, il y a des chances que je m'en sorte. Si on laisse traîner, il va falloir enlever beaucoup de choses, et on ne sait jamais comment ça peut tourner. Je dis, eh bien écoutez, c'est simple, vous m'opérez dans les plus brefs délais, vous me laissez le temps de m'organiser pour me faire remplacer à mon cabinet, et on opère. Après cette visite, il me fait passer un scanner qui détermine un cancer d'à peu près 2,5 cm de long sur un de large au niveau de la base de la langue. Et le fameux ganglion, en fait, était une métastase. Donc toute ma chaîne ganglionnaire était métastasée. Et là, ça devient problématique. Parce qu'à partir des ganglions lymphatiques, eh bien, ça peut disséminer dans tout le corps et là, vous risquez d'être emporté par un cancer généralisé. Donc, il fallait tenter sa chance et donc je me suis rejoint, opérez-moi le plus vite possible pour essayer de stopper le processus. Donc, le temps de m'organiser, il a fallu 3 semaines pour cela, trouver un remplaçant, prévenir mes patients, lui présenter mes patients et je pars à l'opération. L'opération s'est très très bien passé, mais je n'avais même pas pris conscience au départ de l'état dans lequel je serais après l'opération.
car c'était une opération extrêmement lourde. Extrêmement lourde. 50 points de suture de chaque côté, ablation d'un certain nombre de muscles, ablation de la jugulaire interne, bien sûr, ablation d'un bon morceau, un bon morceau de langue, et donc, pose bien sûr d'une trachéotomie. Donc, en soins intensifs, je ne pouvais respirer que par la trachéotomie et j'étais nourri par perfusion. Au bout de 3 semaines, le chirurgien m'a dit, mais écoutez, il va falloir que vous puissiez vous alimenter parce que j'avais perdu 15 kilos quand même, c'était pas mal. Donc il me restait vraiment que la peau sur les autres. Et il fallait que je me réalimente, c'était impératif. Il me dit, il faut que vous arriviez à vous alimenter par la bouche. Et sinon, on est obligé de vous faire une stomie, c'est-à-dire une perforation de l'estomac pour me nourrir directement au niveau de l'estomac. Et là, je peux vous dire, ça ne m'a pas du tout amusé. J'ai dit non, il n'en est pas question, je vais me débrouiller pour m'alimenter par les voies naturelles. Donc au départ, ça a été vraiment très, très difficile, très folklorique, parce que quand j'avais, vous voyez, la trachéotomie, la faisait correspondre directement la bouche et l'extérieur par ici. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est qu'il a fallu que je m'adapte à une alimentation liquide. Donc une alimentation liquide, parce que mon chirurgien m'a dit, si je vous revois dans 3 semaines, si vous n'avez pas repris des kilos, je vous fais faire une stomie par un chirurgien gastro-entérologue. Et donc, j'ai été obligé de me mettre à l'alimentation liquide et j'ai mis au point un système d'alimentation extraordinaire, roborative, que je vais vous expliquer en 2 mots, c'est simple. Donc, je ne pouvais pas manger à la cuillère, ce n'était pas possible, ça me faisait tousser, j'avais des réflexes épouvantables, c'était impossible. Donc il fallait que j'avale très rapidement, soit avec une paille, soit très rapidement, vous voyez, très rapidement parce que je faisais facilement des fausses routes. Hein, ça c'est le gros problème de ces interventions qui touchent l'arrière-gorge, hein, c'est le problème des fausses routes. Et donc j'ai mis au point ce que j'appelle le pot revitalisant. J'ai acheté un mixeur d'un litre, et j'ai mis au point une mixture à base de donc un produit liquide, donc c'était du yaourt liquide, et dans ce yaourt liquide je rajoutais 2 bananes, 2 œufs crus, de la poudre de cacao et de la spiruline, de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande, enfin bref, j'ai fait un mix énergétique parfaitement équilibré d'environ 400-500 grammes, et ceci 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, j'avalais en exactement 24 gorgées, 23-24 gorgées. En fait, je mettais ça dans une bouteille et je buvais ça à la bouteille. Et ceci pendant des mois. Au bout de 3 semaines, j'avais déjà repris quelques kilos et j'ai repris complètement mon poids initial, hein, qui est un poids d'équilibre, de 80 kilos pour 1m80, au bout de 6 mois exactement. Voilà. Un autre problème qu'il a fallu résoudre, après mon opération, il y a eu aussi le problème de la radiothérapie. Donc j'ai eu 24 séances de radiothérapie, hein, pour détruire toutes les cellules anormales qui étaient susceptibles de persister aux alentours de la lésion. Et donc, ces 24 séances de radiothérapie, ça s'est très bien passé, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas tout de suite, c'est après, dans les semaines, dans les mois qui suivent, des brûlures apparaissent, et notamment sur la cicatrice. Et donc, pour avaler, j'étais obligé de prendre de la xylocaïne. Et après, il a fallu cicatriser parce que la plaie a eu du mal à reprendre. Ça m'a véritablement brûlé. Et donc, il a fallu que je trouve des systèmes pour accélérer la cicatrisation. Et c'est là que j'ai découvert, que j'ai testé les huiles essentielles, et notamment, pour ce qui me concerne, 2 huiles essentielles extraordinaires, le laurier noble et
le Copaifera d'Amazonie, qui sont décicatrisants et anti-inflammatoires. Voilà. Autrement, au niveau de la cicatrisation, j'ai utilisé énormément d'acide hyaluronique. Et troisième problème, c'est comme la radiothérapie a détruit les glandes salivaires, j'avais quasiment plus de salive, et donc il fallait utiliser une salive artificielle. Donc j'ai essayé toutes les salives artificielles, et j'ai réussi à trouver un système pour me stimuler, hein, c'était la brosse à dents électrique. Donc en vibrant dans la zone, j'arrivais à créer une simulation du peu de glandes salivaires qui me restaient. Et vous voyez, aujourd'hui, là, j'arrive à vous parler avec une salive qui n'est pas une salive hyaline, mais une salive qui est compatible avec une parole quasi normale. Vous voyez ? Donc, vous entendez cette voix qui est un peu rauque. Donc, bien sûr, je n'ai pas tout récupéré, mais je mène une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Simplement, je vais vous dire, si je n'avais rien fait, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, je ne pourrais pas communiquer. Je ne sais même pas si mon élocution serait compréhensible. Donc, j'ai mis au point une méthode de rééducation, d'auto-rééducation de la langue. Donc, ma langue était totalement rétractée, bien sûr, sous l'effet, bien sûr, de l'opération, des brides et de la brûlure de la radiothérapie. Et donc, j'ai mis au point une technique de travail, ce qu'on appelle isolytique, pour essayer de rallonger la langue. Vous voyez, parce que la langue, sous l'effet de la rétraction, eh bien, elle se ramassait vers l'arrière. Donc, j'ai essayé de la garder aussi longue que possible, et j'ai réussi en utilisant la méthode que je vais vous expliquer maintenant, qui est très simple. Vous pincez la langue avec vous prenez un papier buvard, un essuie-tout, voilà. Vous prenez un essuie-tout ou un mouchoir en papier, vous prenez un mouchoir en papier, vous pincez votre langue, vous la tirez à l'extérieur, vous la maintenez bien avec vos doigts et vous tirez la langue vers l'arrière tout en maintenant sortie avec les doigts et vous relâchez. Et à chaque fois que vous relâchez, vous allez un peu plus loin. Et c'est ainsi que j'ai pu rallonger, plus ou moins, mais suffisamment pour avoir une élocution normale, mais ceci au fil des mois, pour avoir une souple, pour retrouver une espèce, un semblant de fonction lingale. Alors bien sûr, il faut faire des tours, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Il faut vous dire que ça, je l'ai fait des milliers de fois. Donc, la langue, il faut tirer à droite, à gauche. Vous poussez sur la joue d'un côté, vous poussez sur la joue de l'autre. Vous tirez la langue en arrière, en haut du palais, en arrière. Vous tirez la langue, un coup à droite, un coup à gauche. Après, vous faites des rotations. Il faut faire ça à longueur de journée. Mais ça ne suffit pas. Il faut également tirer sur les joues. Il faut également tirer sur les lèvres. Parce que tout ça a pris l'irradiation. Donc tout est raide. Donc tous les jours, je fais un travail d'assouplissement au niveau de ma peau, au niveau de mes muscles, au niveau de mes aponevroses. Et chaque semaine, depuis cette époque, je suis suivi par une kinésithérapeute qui me fait du drainage lymphatique et des étirements au niveau des muscles. Voilà. Alors vous voyez, là, j'atteins saturation. Là, je commence à avoir des crampes. Donc vous voyez, la séance a duré plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc je vais être obligé d'arrêter parce que je commence à ressentir des crampes. Donc, vous voyez, je ne vais pas récupérer à 100%, loin de là, mais suffisamment pour avoir... Alors vous voyez, je suis souvent obligé de faire ça, c'est très désagréable. Donc, je fais beaucoup de coupures. Quand je fais des formations, je suis obligé de faire beaucoup de coupures parce que ça m'arrive souvent de faire ça. Vous voyez ? Donc ça vient des glaires qui sont épaisses. Je n'ai plus de salive hyaline, je n'ai plus que de la salive épaisse, mais c'est pas grave, on fait avec, on s'adapte à tout. Hein. Et par contre, il faut boire souvent. Et ce qu'il faut, c'est boire de l'eau alcaline. Parce que la salive est alcaline. Donc, si on a moins de salive, on risque d'avoir une acidification du milieu buccal. Donc, il faut maintenir ce pH. Donc, si vous prenez une eau, vous mettez du bicarbonate de soude, ça la rend alcalin, ou on met du lithotam, vous achetez des eaux minérales, donc minéralisées. Mais attention, pas de sel, hein, des bicarbonates plutôt.
Voilà, eh bien, écoutez, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses, je ne vous ai pas tout dit, j'ai essayé de dédramatiser la chose, donc j'espère que cette vidéo a pu être utile à certains d'entre vous. Malheureusement, ça ne peut pas répondre aux besoins de tous ceux qui ont subi des opérations IRL parce que chaque cas est un cas particulier. Je vous ai parlé de mon cas. Donc, essayez d'utiliser les techniques dont je vous ai parlé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse en dessous. Hein, donc, vous m'écrivez, mais ne m'écrivez pas pour avoir des consultations. Je ne donne pas de consultations. Hein, il n'y a que des praticiens qui peuvent vous donner des consultations. Moi, je donne des conseils généraux. Je sers de cobaye, je vous explique ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour ma formation sur l'arthrose cervicale. Et donc, vous voyez, je sais de quoi je parle parce que suite à mon opération, j'ai eu d'énormes problèmes au niveau des vertèbres cervicales et du bras. Donc, je vais me faire opérer. J'ai évité l'opération, Dieu merci. Et grâce à la méthode que j'ai mise au point et dont je vous parle dans le détail dans ma formation, qui est une formation directe en vidéo, comme celle que je vous ai fait aujourd'hui. J'ai fait simplement une petite omission, c'est que, eh bien, il y a 2 ans, je pense être guéri, puisqu'on m'a dit que j'étais guéri, on ne voulait plus de moi au centre de cancérologie, et j'ai eu, au niveau de la cicatrice, première cicatrice datant de 10 ans, une petite grosseur qui s'est installée, donc je pensais que c'était un aft. Donc cet aft, j'ai essayé de le soigner avec de l'acide hyaluronique, tous les produits qu'on trouve en pharmacie pour traiter ce genre de problème, et puis ça ne marchait pas. Donc je suis retourné voir mon chirurgien qui a bien palpé, etc. Mais il m'a dit, il n'y a rien d'alarmant, pas de ganglion, je n'avais plus de ganglion, je ne pouvais pas avoir de ganglion. Et non, je ne vois rien de spécial. Et donc j'étais rassuré, mais 3 semaines, un mois après, donc c'était la période des vacances, donc il n'était plus là, j'ai commencé à avoir mal. Et ça avait tendance à grossir. Donc je suis allé voir d'urgence un ORL, un chirurgien ORL, qui m'a examiné, j'ai forcé la porte, je me suis imposé, je dis moi je veux absolument que vous me voyez, parce que c'est bientôt les vacances, hein, c'était au mois de juin d'il y a un an. Hein, et donc, il y a 13 mois. Ouais. Et donc, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai eu un cancer il y a 10 ans, je l'ai pris tôt, donc si jamais c'est une récidive ou si c'est autre chose, je vais faire tout de suite ce qu'il faut. Elle me regarde, dit, écoutez, je vous fais une biopsie demain matin. Donc, le lendemain matin, elle m'enlève un petit morceau, biopsie. Elle me rappelle en me disant la biopsie a révélé un nouveau cancer, mais d'une autre sorte. Ce n'est pas une récidive, c'est un autre cancer, une autre forme, mais très agressive, très invasif, qu'il faut opérer de toute urgence. Je lui ai dit, écoutez, quand est-ce que vous pouvez? Il me dit, c'est soit avant vos vacances, soit après vos vacances. Elle a dit, je suis désolé, mais après les vacances, pour moi, ça ne va pas être des vacances, ça va être une galère. Donc, est-ce que vous pouvez me prendre avant les vacances? Mais je peux vous opérer la veille de mon départ en vacances, c'est-à-dire fin juillet. Et donc, je me suis fait opérer avant son départ en vacances et avant mon départ en vacances. Et donc, j'ai été opéré, deuxième opération, avec un gros morceau encore d'enlever. Et bon, ça s'est plus ou moins bien passé parce que les sutures ont lâché au bout de quelques jours, mais enfin bref. En agissant vite, parce que ça fait un an maintenant, il n'y a plus de traces, donc on a fait TEP scan, etc., c'était surveillé de très près. Donc, en principe, on a réussi à tout éliminer. Hein, donc, elle a fait une opération assez large. Donc, bien sûr, j'ai une langue beaucoup moins performante que celle d'avant, mais enfin, je fais avec. Donc, je me suis rééduqué. J'ai repris mon travail fin août. Donc, j'ai pris mes vacances normalement, 4 semaines. J'ai repris mon travail avec des petits problèmes d'élocution, mais comme je travaillais avec le masque, eh bien, ça m'a bien arrangé parce que mes patients n'ont pas trop senti la différence. Voilà, ça c'est simplement
pour dire que même si on est guéri d'un cancer, il faut toujours, toujours, toujours être vigilant parce qu'il peut y en avoir un autre, parce que malheureusement, le cancer fait partie de la vie. Hein, il y a divers facteurs, donc les facteurs génétiques, les facteurs infectieux, les facteurs environnementaux. Même si on est fort, même si on est costaud, même si on a une bonne résistance, même si on met une parfaite hygiène de vie, nul n'est à l'abri. Donc mon conseil, soyez vigilant. Dès que vous avez un problème anormal, allez consulter, faites des examens complémentaires. Et si on ne vous prend pas au sérieux, insistez. Parce que votre santé, c'est votre santé. Ce n'est pas celle des praticiens que vous allez voir, c'est votre santé. Donc vous êtes le premier médecin. Hein, c'est l'automédecin, c'est vous. Et vous avez les spécialistes qui sont là pour vous aider, vous permettre de vous en sortir. Et je les remercie tous de m'avoir aidé parce que j'ai vraiment eu des équipes formidables. Je suis extrêmement satisfait des performances des médecins chirurgiens, des radiothérapeutes, des médecins généralistes qui sont à l'écoute de leurs patients. Mais il faut que vous preniez votre santé en main. Hein, c'est ça mon message. C'est le message que je dispense partout où je peux, lorsque je fais des conférences ou des interventions. Prévention, prévention, prévention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis eh bien, à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Si ce que je vous dis vous intéresse, eh bien, sur d'autres sujets, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube, tout simplement. À très bientôt. Au revoir.